direct un solitaire. Il fait peur à tous les troupeaux. Mais le lion n'en a que faire. C'est lui le roi des animaux. Ce bestiaire, les bêtes ont les âmes dans la peau. Un oiseau planté au bord de l'eau. C'est le héron. Planté, c'est bien ça. Il peut rester des heures à regarder l'eau. Et regarder l'eau, c'est pas facile. Ça bouge et c'est flou. Mais pas pour le héron. Parce que le héron, il louche. Il louche un peu spécial pour voir net sous l'eau. Donc, le héron attend le poisson. Donc, le héron est terriblement patient. Et s'il s'embête, il en profite pour profiter du soleil. Donc, le héron ne s'embête jamais au bord de l'eau. Et quand le poisson arrive, le héron est toujours prêt. Il ne rate pas souvent son coup. Donc, loucher un peu spécial, c'est pratique et efficace. Donc, enfin, il peut rejoindre son nid. Comme le héron est un très bon voleur, son nid est installé très haut, tout en haut des arbres, très haut. Ses bébés aussi mangent du poisson, mais du poisson déjà mangé par le héron pêcheur. Et attention, le héron ne mange pas que du poisson. Il aime aussi les serpents, les souris ou les œufs. Et là aussi, le héron sait attendre le bon moment d'attaque.